Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkulu Mike et aujourd'hui je vais tout simplement découvrir le pass de combat de la saison 6 de Fortnite avec vous les potos. Alors il faut savoir que j'ai dû me recréer un compte parce que mon compte principal a été bloqué, donc je vais être un Bambi, un vrai Bambi qui arrive genre à la saison 6, le type qui a jamais joué quoi tu vois, mais voilà ça va être marrant. Donc j'ai racheté, j'ai bien sûr mis 10 € sur le compte pour acheter le pass de combat. Alors j'ai déjà été spoiler, j'ai été voir des leaks et tout sur internet, donc voilà je sais un peu déjà ce qu'il y a dedans et vous allez voir c'est vraiment trop stylé. Ok c'est parti, donc voilà la première image, donc là vous avez pu apercevoir les 7 personnages hein. Voilà les 7 personnages que vous pouvez débloquer dans le pass de combat sont là. Alors c'est parti, battle royale, vous êtes prêts, vous êtes chaud, donc c'est parti, bam bam bam. Alors déjà qu'est-ce qu'on peut voir, actu au cœur des ombres, la saison 6 est arrivée. Explorer les étranges changements de la carte et découvrir des secrets effrayants. Ok, donc ça, ça annonce du lourd, ça annonce beaucoup de changements dans la carte et ça annonce des secrets, bien sûr. Comme j'espère qu'il y en aura un peu plus que la saison 5. Mais voilà, franchement, ça annonce du lourd. Alors, passe de combat de la saison 6, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et les pierres d'ombre. Alors, les pierres d'ombre, je sais ce que c'est. C'est des trucs, enfin, c'est un nouveau pouvoir. C'est un nouvel objet consommable que vous allez pouvoir consommer un peu comme les pierres de pouvoir qu'il y avait dans la saison 5. Et ben là, ça a un peu près la même chose. Sauf que, on a un pouvoir qu'on ne connaît pas encore. Enfin, bref. Donc là, la cinématique, je vous la passe parce que tout simplement, elle est déjà sur ma chaîne. Donc si vous voulez la voir, elle est vraiment très très cool. Je vous invite à aller la voir. Alors maintenant, vous pouvez voir que mon personnage Bambi est là. Soit cool mec, elle est là. Niveau 1, 0 XP, rien que dalle les frères. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est aller acheter le pass de combat d'abord. Donc on va acheter 10 € de V-Bucks et puis on achètera le pack ici plus tard. Donc les potos, j'ai pas réussi à m'injecter les 1000 V-Bucks, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté les 1000 V-Bucks mais ils ne s'injectent pas dans mon compte. Il y a vraiment un gros problème là, je sais pas si c'est à cause des serveurs ou quoi, mais je peux pas alimenter mon compte. Pourtant j'ai perdu 10 €, j'ai reçu un email merci de votre achat, mais voilà, j'arrive pas à avoir les 1000 V-Bucks. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous présenter le pass de combat parce que la vidéo elle est là pour ça. Je vais pas la sortir à 4 h de l'après-midi parce que j'ai pas mes V-Bucks. Donc je vais faire l'analyse du pass de combat avec vous et la découverte avec vous. Et je l'achèterai dès que je pourrai l'acheter. Alors tout simplement, je voulais juste vous parler de l'écran de chargement derrière. Regardez un peu comment il est trop stylé. Donc on peut voir Loot Lake avec des rapides d'eau. Donc je sais pas si quand on ira dans l'eau ça nous attirera vers le centre, mais franchement c'est trop stylé avec le cube en dessous de Loot Lake, je kiffe, franchement je kiffe. Alors maintenant on va aller analyser le saison 6 de Fortnite, donc la saison 6 de Fortnite. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on va pouvoir débloquer 2 skins, comme d'habitude je pense, hein, dès qu'on achète le pass de combat. Alors on aura le Lama, donc le DJ Lama, il remet le son. Et il remet le son, fait partie de l'ensemble Folie des Platines, ok. Une calamité sans gêne, fait partie de l'ensemble Ouest menaçant. Ok, donc regardez la calamité, donc le cowboy femme est évolutif. Donc il va falloir débloquer 200 000 XP pour arriver à ce niveau-là. Alors franchement, il est vraiment pas mal au niveau 6. Sa cape, elle rejette une petite fumée un peu comme ça, un peu comme le cube le faisait de toute façon, tout simplement. Et des petites lueurs mauves sur son costume. Donc franchement, c'est vraiment très 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 stylé. Alors, il est marqué, se déverrouille, donc pour le niveau 6, 200 000 XP. Il faut savoir que si vous n'avez pas fini les 200 000 XP à la saison 6, vous pourrez les continuer à la saison 7. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Avant, il fallait faire débloquer des trucs, des niveaux, mais là c'est des XP. Donc maintenant, avec les XP, ça continue à s'accumuler en fonction des saisons. Donc ne vous tracassez pas, vous aurez le temps de le finir quoi qu'il a. Alors, de tout débloquer les 6 paliers. Donc, maintenant, nous allons passer vite fait. On va analyser vite fait hein, parce que, voilà, il n'y a rien de,
ça c'est pas intéressant, j'ai pas besoin de vous parler de ça, ça non plus. Un nouvel écran de chargement, ok, ça on s'en fout. Un aérosol, ah, un petit, une petite émote salut royal, comme la reine princesse Paola de je ne sais pas où, de mon pays je crois, je sais même pas, tu vois. Enfin bref, un petit planeur, ok, petit planeur pour le petit chaperon rouge, hein, c'est le thème. Petit chaperon, voilà, il me semblait bien. C'est l'heure du goûter, les potos. Ok, ok. Alors, ensuite. Ok, ok, 5%. Écran de chargement, emote, V-Bug. Ah, le petit chien, les potos. Les nouveaux compagnons, tout simplement. C'est des animaux de compagnie. C'est une nouveauté pour la saison 6. Vous savez qu'à chaque fois, chaque saison, ils sortent une nouveauté. Et ça, c'est la nouveauté de la saison 6, les potos. C'est vraiment... truc de ouf. Après, ne croyez pas que le chien que vous voyez là va vous aider dans le gameplay. Non, c'est juste esthétique, les potos. Il ne vous aidera en rien. Ce n'est pas un pay to win. Et je pense que Fortnite ne fera jamais un pay to win. Parce que sinon, ça va ruiner le jeu. Et les gens vont carrément arrêter d'y jouer à cause de ça. Alors voilà, là, c'est juste esthétique, les potos. Mais franchement, il est trop stylé. Deuxième nouveauté de la saison 6, c'est les musiques. Maintenant, on va pouvoir choisir la musique qui se passe dans le lobby ou dans les menus options, etc. Alors que je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment la musique va se déclencher, mais vous allez pouvoir l'équiper dans casier. C'est dans casier que vous vous équipez. Donc regardez, c'est la musique du floss. Et quand vous allez aller dans casier, il faudra venir ici. Donc musique vide, donc tout ça, ça a changé, ok. Voilà, les mottes, on s'en fout. La cape du petit chaperon rouge. Hein. La pioche du lama DJ. Ok, ok, pas mal. Une nouvelle émote, 10% sans V-Bug. Une traînée de fumée. Ok. Attention, risque de brûlure. Bah, ça, tu m'étonnes. c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Alors, un aérosol, un écran de chargement, un planeur, une émote. Une nouvelle tenue, donc ça c'est des costumes d'entraînement de vie de garçon. Donc moi j'en ai vu un en Espagne, mais il n'était pas à l'effigie de Fortnite, hein. C'était juste un lama, un vrai lama. Enfin pas un vrai lama, mais un costume lama avec des petites jambes aussi. Et franchement c'était assez stylé quand j'avais vu ça. Donc là voilà le personnage, le skin là, c'est pas le skin qui m'emballe le plus, mais voilà il est assez cool. Voilà, mais sans plus, c'est celui qui m'intéresse le moins dans ce pass de combat. Alors 5% d'XP pour les amis, écran de chargement, ok il est vraiment pas mal avec les DJ Lama, un aérosol plutôt, sans V-Bug, un jouet, ok donc ça c'est un peu comme les trucs de golf, les baskets et tout ça, maintenant on va pouvoir faire des lancers de tomates, pourquoi pas, ça pète. Alors un nouveau compagnon, il faut savoir que j'ai vu dans un leak qu'il y aurait 3 compagnons, donc ça c'est le deuxième compagnon, c'est un caméléon, alors c'est quoi la phrase ? Il ne vous perdra jamais du regard. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'il va regarder les ennemis. Hein. C'est juste une petite phrase associée au caméléon. Parce que bah, quand il y a un caméléon, il ne vous lâche jamais du regard. Voilà, tout simplement. Alors, un nouvel aérosol. Une pioche du chaperon rouge. Alors, une nouvelle émoticône. Je ne sais pas où je vais ni où je suis. MDR, qu'est-ce que c'est que ça donc? Alors, c'est quoi? Je cours. Ouais, elle ne court pas. Elle ne court pas, elle ne met pas un pied devant l'autre. Comment tu fais pour courir sur place, toi? MDR pas mal la danse, franchement elle est quand même stylée. Alors une nouvelle émote, 10% d'XP ouais, personnel, M100 V-Buck. Un écran de chargement Valkyrie, donc franchement j'adore le personnage qu'ils ont mis. Franchement cet écran de chargement c'est une tuerie. Alors 100 V-Buck, une traînée de fumée pour le chaperon rouge. Lama de Muertos, Lama de Muertos, ok. Un aérosol, hein, une émote. Ouais, une cape, ouais, un sac à dos quoi, mais franchement elle est... Ouais, elle bouge de couleur, mais sans plus, quoi. Ça donne pas trop envie, donc ça fait partie de la folie des platines. Ah, ça fait partie du Lama DJ. Donc, ouais, avec l'ensemble Lama DJ, ça peut peut-être le faire. Alors ici, l'ensemble West. Donc ça, c'est tout simplement un planeur. Un planeur qui s'appelle Chariot Bashi, ok. Donc ça, ça fait partie du thème Far West pour le skin Cowboy Girl. Donc, je ne sais plus trop. Ouais, Calamité, elle s'appelle, voilà. Alors, encore un aérosol DJ Lama. Il aime bien leur DJ Lama. 5% d'XP pour les amis. Une émote. Sans V-Bug. Ah. Oh putain, il est trop stylé. Ah ouais, mais c'est vrai, je l'avais vu sur l'image de chargement. Mais putain, franchement, c'est le meilleur, tu vois. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est un petit dragon. Un animal de compagnie. Donc, un compagnon qui est un petit dragon et un partenaire tout feu, tout flamme. C'est carrément ça. Franchement, celui-là, il est trop badass. Moi, je le kiffe de ouf.
Alors bien sûr, je vais mettre ma vie à le débloquer, un niveau 43, enfin panier 43, ça va prendre du temps, je pense. Alors, écran de chargement destiné, 1000 XP, gratuit, ok, de saison. Ça urge. Si on pouvait faire vite, merci. Oh my god. J'ai besoin de pisser, les mecs. Bon, attendez, j'arrive, je vais pisser. Non, je rigole, franchement, trop stylé, ok, nice. C'est pas ouf, mais ok. Une nouvelle émote. Ah, le petit chapeau rouge. Ouais, mignonne, en fait, elle est vraiment mignonne. Avec sa petite jupe et tout, non, franchement, je kiffe. Ah là là, je kiffe. Ah non, franchement, je kiffe. C'est pour mieux vous éliminer, mes enfants. Fait partie de l'ensemble petit chaperon. Franchement, trop stylé, je la kiffe. Je la kiffe. Vraiment, elle est très très jolie. Alors, une nouvelle aérosol, 10 XP personnel. Ok, une émote, un écran de chargement, lama de ravitaillement. Ok, une émote, chat noir, 100 V-Bucks. Ok, une nouvelle musique, trembler littéralement de plaisir avec chair de poule. Donc ça, c'est peut-être la musique qu'il y avait dans Halloween, hein. Je pense que c'est la musique qu'il y avait dans Halloween pour l'événement de l'année passée. Donc franchement, ça c'est cool. Enfin, l'année passée, ouais, je crois que c'était l'année passée. Donc voilà. Alors, un aérosol labyrinthe cactus, ok. Une lance citrouille, ok, directement sculptée. Ok, c'est pas mal. Ok. Une traînée de fumée. Ah, des ailes du couchant. Aussi acéré que des crocs, fait partie de l'ensemble Assemblée Nocturne. Assemblée Nocturne, c'est qui? C'est quel skin ça? Franchement, on déchire ces petites ailes en noir. Je kiffe. Alors, Batman, ok, une émote Batman. 5% d'XP, 100 V-Bug. Une nouvelle émote papier toilette, pourquoi pas. Oh, en fait, il y a plus que 3 animaux, il y en a 4 en fait. Ok, il y a 4 animaux de compagnie. Un autre chien. C'est le même chien, sauf qu'il est d'une autre couleur. Mais voilà, c'est un autre chien quand même. Donc voilà, il est stylé. Écran de chargement avec tomate au temple. Excellent, excellent. 1000 XP. Gratuit. Une émote. C'est une émote, ça? Ah non, c'est une bannière, ça. Ah ouais, ça, c'est des bannières, en fait. Enfin, je sais pas si c'est des bannières ou des émotes. Je sais plus. Alors, aérosol game over, ok. Une émote... une danse, quoi. Une danse ondulation. Oui, pourquoi pas. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est son regard, comme elle est sérieuse et tout, là. Elle a l'air vénère, la meuf. Mais elle bouge bien, elle bouge bien. Alors, 10% d'XP. Écran de chargement sous l'océan. Sous l'océan. MDR avec des requins, pourquoi pas. Émoticône conserve. Ok. XP, 1000 XP. Oh. Une traînée de fumée chauve-souris, les potos. Ça, c'est stylé aussi. Celle-là, je kiffe aussi. Alors, une chance sur 10 millions de se faire mordre fait partie de l'ensemble Assemblée Nocturne. Ok, donc... Ah, ok. On va... Le skin Assemblée Nocturne, il est juste après. Regardez, ça, c'est une émote sans V-Bug. Et voilà, le skin Assemblée Nocturne. Donc, je me demandais c'était quoi. C'est Elvira. En plus, je l'ai vu sur l'image de chargement. Je suis vraiment trop con, parfois. Tout simplement, c'est Elvira. Donc, voilà, c'est une vampire. Et j'aime vraiment bien son style. Après, je la pensais un peu plus stylée, je sais pas, c'est peut-être son corps que j'aime pas trop. Peut-être elle a le corps trop blanc, en fait, ça me choque un peu. Mais bon, ça peut faire un petit style, donc de toute façon, je vais acheter aucun skin, hein, comme c'est un nouveau compte, j'achèterai aucun skin, je vais devoir m'y faire avec les skins du pass de combat. Donc voilà, je vais jouer qu'avec les skins du pass de combat et je ne mettrai plus de V-Bucks, à part pour les passes de combat. Voilà, dans le jeu, je n'achèterai plus de V-Bucks, de skin. Voilà, c'est dit, je ne le ferai plus. Est-ce que je vais tenter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une drogue? Je ne sais pas, on verra bien. Alors, un aérosol, 5% d'XP personnel, ok. Oh, bah encore le même dragon, mais en rose. Donc ça, c'est bien pour les filles, moi, je le préfère en bleu, hein. Je crois qu'il était en bleu, oui, c'est ça. Donc le, je le préfère en bleu, putain. Et le rose, ce sera pour les filles. Un choix du style supplémentaire pour Tikayu, ok. Ah, il s'appelle Tikayu, le dragon. Alors, 100 V-Bug, tomate, quoi. Un jouet? Comment c'est un jouet? On va pouvoir cliquer sur le jouet et il va apparaître dans la map et on va pouvoir jouer comme si c'était un ballon de foot. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis un peu choqué, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, je suis impatient de voir ce que ça fait. Donc, pas des 76, ça va être long. Une émote ou un emblème. Je crois que c'est les emblèmes en fait ça. Alors, crépuscule, un écran de chargement de Elvira. Planeur nuée noire, ok. Planeur de Assemblée Nocturne, bah ouais, c'est sûr, c'est un putain de planeur. Franchement, il est trop stylé, regardez-moi ça. Il fait une aura noire comme ça, franchement, trop stylé. Alors,
Ici, un aérosol, laissez votre empreinte, ok. 10% d'XP personnel. Un emblème ou une émote. Essence spectrale, donc ça c'est une traînée de fumée. Ouais, spectrale, qui vient du ouest menaçant. Donc ok, ça c'est pour le skin cowboy. Donc voilà, ça peut bien lui aller, c'est vrai, un bel ensemble. Alors, image promotionnelle du ravage, ok. Un écran de chargement, sans V-bug. Un nouveau skin, donc le skin QQ. Cucurbitacé, MDR. Plutôt que la trouille, flanquez-leur la citrouille. Fait partie de l'ensemble livraison de pizza. Ok, ça c'est l'ensemble livraison de pizza, donc avec le skin tomato en bœuf. Voilà, il est vraiment pas mal. Je pense que celui-là, les gens vont quand même le kiffer parce qu'il kiffait tomato. Le skin tomato, donc voilà. Alors, livraison de pizza, donc la cape de monsieur tomato, enfin la femme tomato. Elle est vraiment pas mal non plus. Pour les mauvaises graines, ok. 5% d'XP pour les amis. Une nouvelle aérosol en pixel, MDR pas mal. Le chien en noir, putain, ils ont mis les animaux de compagnie dans toutes les couleurs, quoi. Franchement, c'est assez ouf. Donc, le chien en noir. Les 100 V-Bugs. Ok, la musique originale de Fortnite. Donc, succomber au plaisir de la nostalgie. Ok, c'est stylé. C'est une musique qu'on va pouvoir. Je pense que beaucoup de personnes l'attendaient, la voulaient. C'est la première musique de Fortnite. Donc voilà, je pense que ça va faire plaisir plus d'un d'entre vous. Par contre, la musique, elle est pas folle. Hein. On se croirait au début de Fortnite, tout simplement. MDR. Alors, écran de chargement. Ok, il est vraiment stylé aussi, celui-là. Une émote clown. Une danse flamenco. Ceci. Alors, vamos halas. Vamos hala. Ouais, ça peut se faire. Alors, je le vois bien avec le cowboy, je crois. Non. Non, ou Elvira. Ouais, je le vois bien avec Elvira. Franchement, cette danse-là avec Elvira, ça pourrait bien donner. Alors, 10% d'XP personnel, 100 V-Bug. Le dragon en noir. Franchement, il est encore mieux qu'en bleu. Ouais, celui-là est déchiré en noir. Je me demande s'il crée du feu. Ce serait quand même bien une petite... ou alors de la fumée noire, là, genre quand il souffle. Là. Non, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Un aérosol licorne et le dernier. Ah ouais, carrément. Ah bah c'est. Oh, c'est le loup-garou. Ok, c'est le loup-garou. En fait, il est en dernier. Donc, il se transforme bien. Ah ouais, non, il se transforme. Putain, c'est dommage qu'il se transforme pas en game. C'est dommage qu'il se transforme en XP. Ça aurait été tellement bien qu'il se transforme. Genre, vous faites un kill, il se transforme. Vous faites 2 kills, 3 kills, 4 kills, 5 kills, 6 kills. Dès que vous avez fait 6 kills, il est à son niveau maximum. Ce serait vraiment une tuerie si ça évoluerait comme ça dans le jeu. Mais bon, voilà. 2500 XP pour le débloquer niveau max. Donc, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir fini la saison. Vous n'avez pas que la saison 6 pour débloquer les 6 niveaux. Vous pouvez débloquer les 6 niveaux à la saison 7. Donc voilà, ne vous pressez pas trop, ne vous mettez pas trop la pression. Et il faut juste atteindre le palier 100. Et quand vous aurez atteint le palier 100, vous allez débloquer ce personnage. Là, franchement, moi, c'est mon préféré. C'est mon préféré, je le kiffe, il est ouf. Et je suis content d'acheter la saison 6 rien que pour ce personnage, rien que pour ce skin. Donc voilà, après bien sûr il y aura les défis de Licane, donc pour avoir des XP supplémentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo les potos, je pense que j'ai tout dit. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, moi je vous fais une petite danse de Bambi, voilà, parce que j'ai que ça les mecs. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Coolo Mike et ciao, peace. Yummy, bruh.